Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live. Vous nous suivez de partout à République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes jeudi 2 novembre 2023. Ndeko Bernard, Boni. Kimia Sango Mokonzi. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Oui, nous allons très très bien par la grâce de Dieu. Merci mesdames et messieurs, Congo Live en direct et à l'exclusivité. Bernard, je rappelle que vous êtes combattant de l'IDPS. Oui. Nord Kivu. Nord Kivu, combattant Moko, confirmé. Combattant Muzalendo également. Nyo Soana, Tuzon Dimayango, Kaka, parce que Ezalit Moko noble. Donc, Atobenga Muzalendo, Atobenga Congolais, il y a des pères et des mères, Atobenga Fardessé. Donc, combo nyo so ezana Congo, à part gaga ya banguna, na undi manangai paske. Ya banguna ezane. Asio mogo ebitwaga na munguna mogo ezaga M23. Donc, c'est ça, mon amboka. M23 est petit bino fort. Hein? Te M23 ezobe tabisote, avana banana no emisio alilo, nengina lo beloko moko. Ténèbre na lumière, jamais. Ténèbre na lumière, et ça a différence, il y a mon aine. C'est-à-dire quoi? Jamais ténèbres et coco caca lumière t. Alors, wana lingina lumière ezana, oui. Wana lingina lobanini, oyeza li cesse, oyonazo, pesango déjà na tongwa lelo. Ténèbres a coco caca jamais lumière t. Wana lingina lobanini. Basaka na kate na mutu oyo asambela kanzambe. Soko sakani na ye. Yeba ke ba mission na ye, ba mission na yo, ba plan na yo, e koko ya toujours na mai. Wana, monsieur le journaliste, retenez ceci. Jamais ténèbres e koki ko beta lumière te. Alors, ba sakanaka te jamais na moto anzambe. Soko sakana moto anzambe, yeba ke ba plan na yo nyoso yo kobanda ko monte butu na moi e kozala révélé. C'est-à-dire, nous sommes 23 et nous jamais à Koko Kaka RDCT. Parce que RDC est un lumière. Ténèbres est un 23. C'est ça, monsieur le journaliste. Alors, monsieur Bernard, dites-nous, nous avons appris que les Rwandais auraient déployé tout au long de la frontière, surtout dans des parties proches de Goma. Vous avez information? Oui. Sang mokonzi tozana ba information wana tozana ba fuite wana ke Rwanda azo continuer ko renforcer ba bibundeli na ye nzinga nzinga ya ba frontière na Congo wana eza signe moko makasi oyo toye ko loba lisusu na tongwa lelo pour vous dire que Rwanda eza kolala te tozo mona yango tozo yoka yango ke asia zui asia tche ba bibundele belé et puis ba kanon nyos etali kaka kote na biso wana nenge tolobaka chaque jour monsieur le journaliste Rwanda azo lakisa manzaka na ye na ndenga mesana ka ko lakisa yango depuis kala siko mikoloyo manzaka na ye komi ko bima siko ya makasi pour na ko signifier que c'est bien lui qui nous combat. Donc c'est ça monsieur le journaliste. Toza na lisusu makambo ebele ya kolobate par rapport na Rwanda mais to sito yeba yeke yende mutu azobundisa biso. Tala makambo oyo atiango na frontière. Babi bundeli nyoso wana atande sécurité yango. Ndo okende kotia bashar, ndo okende kotia biloko ya minene wana alakisi manzaka na ye clairement que vraiment nga nde mutu na bundisaka Congo. En allant encore plus loin monsieur le journaliste. Rwanda kaka wana tala Paul Kagame ndenge ya komi ko sillonné na Union européenne azo lukisa toujours ba appui ya bibundeli ba drone kamikaze ba biloko abongo tozo yeba ba genyo so wana
tozali koloba chaque jour na peuple congolais. Moma yango yo ekomi. Makambo zo continue toujours na komata na komata. Congolais nyoso oyazo landaka biso na chaîne ya Congo Live TV. Kaka ba kotoyo nde ba révélation ezobima. Kaka ba kotoyo nde makambo ya makasi ya kafu kafu ezobima. Congolais nyoso ya mesana kolanda biso kotoyo. Tala nenge Kagame zo monte toujours ba stratégie na ye. Ye wana zo sillonner, ye wana zo tinda tinda bato na ye. Bakende kotoke bipai na bipai ba pesa e bibundeli ya ndenge na ndenge po koya kwatake biso. Waneza première information. Deuxième information nususu na ye nango ya kafu kafu. Na tongwa lelo jeudi ke Kagame lususu ye wana asa ye na ba mercenaire. Tala ba mercenaire wa ye na bango. Batu moko milayi milayi ondire ba nzeta kokoti. Ba mindele. Baza kote na ye. Na, ba mercenaire wana akomi ko renforcer ango lisusu na kote M23. Or, soko moni mercenaire a ye na guerre. Donc wana a ye na mission moko spesifike. Yango wana mwana mboka. Biso ba kongole, moma yango to se lese lisusu ferte. Parce que dimension oyo Kagame zo mema makambo yo. Eko tinda vraiment soulèvement moko. Ela mukanango ye wana tondisi ba mercenaire belé côté M23 ba tumo komi lai milai na oti ko yebiso mwana mboka on dirait ba nzeta kokoti kokamwa tolobi ata sala ndenge nini aza ténèbres Congo eza lumière jamais jamais ténèbres tikala kobeta lumière biso toza lumière mboka o eza ya nzambe amata akita akoka kamboka na biso te parce que ba vient na biso yo baza partout ba pongole nyoso baza partout à l'étranger na quatre coins nyoso ya république bazola la te pona mabondeli mabondeli na na bango wana ekosala msala moko ya makasi ne c'est pourquoi na bandaki na mission na nga ya lelo ko lakisa mwa eloko wana ya kolobake ténèbre na lumière différence yali et jamais ténèbres atikala ko beta lumière lumière abeta toujours ténèbres c'est ça monsieur le journaliste ko kamwa moko ya makasi ko kamwa moko ya danger oyo to ko mona ba mercenaire susu ya kafu kafu côté M23 et matai kita atacha bango atake ndi nenga zo kende na ba communauté internationale ko kende ko senga senga ba soutien et ko simbaka jamais jamais te. C'est ça, monsieur le journaliste. Oui, oui. Mais nous avons appris que l'ennemi est en débandade. Est-ce que c'est vrai? Après la frappe de Kibumba, parce qu'on a vu des Soko et monté à Kibumba et Borumba. Oui, oui. Raison pour laquelle, au moment qui jour, on attend que tu frappes qui bango ma casse, baza en débandade totale. Babandi souko senga bo, tozonga lisusu, na ba pour parler, ya Nairobi. Parce que ce jour-là, il était vraiment en débandade totale. Maintenant, na minute oyo a se renforcer les sous makas aye ko yela biso sikoyo ba mercenaire malgré cela naza pleinement na conviction na ngai na ba fort nyoso mokonza mboka zo sala pona ko équiper ba mampinga na biso ya ba phare de ce akokota te akokape jamais parce que il faut quand même éclaircir les choses monsieur le journaliste to kika ko continuer ko soutenir mokonza mboka fachi beto non il faut payer ko lobaka makambo ndozo mona ba biso bato ko la biso boye to se sacrifier butu na moyi ko ya ko pesa ba révélation oh ça fait partie aussi na ko soutenir mokonza mboka tant to pesa ba révélation boye tant to zo loba boye ça fait aussi partie na ko soutenir mokonza mboka c'est ça monsieur le journaliste oh frappe bazwaka la fois passée et tika bango pena qui pelekese ne monaki ba eko loba lisusu toke na ba pour parler yango wana leloyo ayele subiso ba mercenaire e matai kita malgré azo na ba mercenaire wana ba milai bongo na ba mindele Congo akokokaka yango jamais te atendenga zo kende ko luka ba renfort parce que to yebi deja ba jeu azo sale nde c'est pourquoi na eko sala ba analyse nde c'est pourquoi monaki James Kabarebe
aloba ki atuitaki depuis avant dire alobi ke biso ba Rwanda tozala déjà ini il faut to kende ka kaliboso tozonga simate c'était suite ya ba mercenaires oyo ba yebi ke emata ekita baza na vision na bango na kati ya Congo mais nenge nzambe azali ba okoka ango jamais te ne yango tozolo ba butu na moyi jamais ténèbres tikala jamais ko beta lumière te na ko comprendre siko oyo tuite wana ya James Kabare ba lobike on n'a pas où aller il faut toujours avancer parce que atali Congo soka ye na Congo bako yamba yete atali Uganda soka ke na Uganda e Burundi bako yamba yete atali bamboka mususu bako yamba yete alors le seul objectif il faut ko kende avant yango na kata Congo azomikosa atanenge baye na ba mercenaire wana nzambe ko confondre bango bako tikala kaka toujours na mabela Congo comme les engrais naturels parce que toza na posa ya ba engrais naturels. Est-ce que Fatshu va gagner cette guerre, Bernard? Nazo ebiso mwana mboka emata ekita Fatshu akolonga yango nazolo bango chaque jour. Raison pour laquelle na banda ki ne mission à l'élo ya kolobake jamais ténèbre ekwi kobeta lumière. Lumière eza biso ba congolais. Lumière eza mokonza mboka. E mata ekita Fatshu kolonga guerre parce que un ana soutien ya ba congomani nyoso. Ana soutien ya ba tu nyoso surtout ba congolais. Ana soutien na bango. Wana éprouvé combien de fois que akolonga bitumba et puis eza susu musikate parce que il y a des stratégies coréas ozozoama chaque jour pona mapinga na biso po to tia siko monguna libanda akolonga yango toza na conviction na parce que Congo oyo eza ya nzambe bato ebele basala ba réunion na ba réunion ba kabal na ba kabal ba kabola mboko mais batikala jamais koko kayango te a combien plus forte raison mokonza mboka azanga kolonga ma bitumba yote akolonga yango nazana conviction moko ya munene ndo monaki mokonza mboka tanga zwaki ebonga azwaki kiti ya bokonze a dédier mboko na maboko ya nzambe wana za signe moko ya makasi ya makasi ne ozomona toza vraiment na conviction ya kolobake bitumba oyo tokolonga yango parce que eza mboka moko oyo nzambe anakati c'est ça monsieur le journaliste. Oui. Kibumba Burumba qui contrôle ces deux zones monsieur Bernard. Kibumba ne naloba kaka chaque jour mikolo yo Kibumba za déjà divisé côté ouest na côté est. Alors, côté ouest, on a des mungona zali, des places bazo betaye, des places bazo betaye. Oui. Eza nango guerre, oyo eza totalement stratégique. Côté ouest, on a des mungona zali. Alors, au moins une faiblesse na nengazo la kisamikolo, azo largue ba bombe, azo largue ba bombe. Alors, côté ouest, on a des sikazali, bazo pilonne ye butu na moyi. Na koto na suso lobi kuna ba compatriote na biso wazalendo bazo attaquer butu na moyi rebelle asatikal kana place muke na kote ya bumba na otikolo bawana rebelle asaka azo contrôler ka place muke mais place a munel parce que to na bato bazakuna bazo ebisa biso ba compatriote na biso wazalendo bazo contrôler place a munene ne situation ya place mi balo na otikolo ebisanga. C'est ça, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, vous nous suivez, c'est Congo Live Télévision. Nous sommes en direct avec Bernard Wallace. Je rappelle qu'il est combattant de l'IDPS. Alors, Bernard, nous restons jusqu'avec 6 minutes. On parle un peu élection politique. En tout cas, la candidature de Katumbi, l'opposant farouche au président Tshisekedi, sa candidature a été validée. Est-ce que Tshisekedi a perdu Katumbi? Nalobaka yango chaque jour mwana mboka congolais ya de père et de mère Félix Antoine Tshisekedi le président le plus costaud d'Afrique jamais a kozala na bobangi vis-à-vis ya Katumbi ndenge bauti ko valider dossier na ye candidature na ye wana
Eza eloko moko oyo na d'ailleurs d'abord en personne, je salue la sagesse de la cour consonnelle. Na faso nenge tranché makambo wana. Soko tali siko na ba contexte mutu si le plan politique, wana fati a beti siko lisusu katumbi. A beti a lisusu. Parce que makanisi na bango, babano kanisake voilà, hein, la cour consonnelle ne peut pas valider la candidature de Katumbi. Voilà. Makambo est comme déjà tranché. Mais si le plan politique, Fati a bêtié. A bêtié na zoeb sa yo, moi na mboka, oyo, Katumbi na minute yo, place sa zale a zomi tout na bi. Ah! Na bando kanisa karte, oyo, ne koya suko pesa nga li sou zela, na sala ba jena nga yi, ya mabe na karte ya Kongo, tala li sou le wende die Fati Beto, a ye li sou kwe krasen nga yi. C'est ça, monsieur le journaliste. Donc, génial sur Katumbi Abando Kanisa, à cause de la cour consonnelle. En tout cas, ils ont bon côté. Yangouana, c'est pourquoi mon konzamboka, yemoko alobaki, nakoti ka chaque instance, et ça, la moussa na ndenge sengeli. Donc, mon cour consonnelle est tranché ma kambo. Voilà, bah, autorisé, yé, bah, valider candidature na yé. Mais si le plan politique, wana ndesiko, bah, écraser Katumbi, parce que Fati a marqué déjà bimoko, vis-à-vis na makambo wana. Et puis, tous os est là. Tous os est là. Vous allez gagner les élections. Et matae kita. Na lobakango chaque jour, et matae kita. Et puis, na répété le sous phrase de yo. Moi, n'a mboka, monsieur le journaliste. Félix Antoine Tshisekedi azaka na candidat moko oya ko battre ye na élection oyo. Eza Jésus-Christ de Nazareth. Owana kaka na kozongela kango pona ye du sabatu. Eza kaka Jésus-Christ de Nazareth parce que ye ndaza na pouvoir nyoso na makasi nyoso ya ko écraser moko nzamboka. A part wana bato misusu bazana bango musele kete raison pour laquelle au moins une cour constitutionnelle et valide ba candidature ba tunyoso parce que président de la république azana confiance en soi a ebike ba toto ke na bango na maponami mais ngai na ko battre bango ndire bana mike na ko osozo mona ba sondage mikolo ozo mona bato bazo se retrouver na ba 12% et fati sinda ba malouvu nga wana ba Katumbi ba mukwege kutu bazo mona na te na biso monsieur le journal Félix Sazo le kaka bango tala e bela ba pourcentage tala pour vous dire que en tout cas Félix Antoine Tshisekedi le président de la république au hasard alingami na mboka na ye na ba congolais nyoso azo bange loko moko te aza si na makambu nyoso oyekoya Azasir qui a collé canabé élection, Azasir qui peuple nyoso congolais et lingiye. Alors, rien ne sert, y'a kolobake voilà, oh, bon validé, candidature à Katumbité, parce que, non, ça prouve combien de fois que Félix Antoine Tshisekedi, il est sûr de lui-même. Et a ko gagné ma peau d'ami. Nde ko banga ou communauté internationale, ezanango. Bila ezanango et belé ya kitoko. Nde yango zomona communauté internationale sous ce côté na kobanga parce que babando ba tchaki mokonza mboka na piège abi awa to yebike candidature Moïse Katumbi kozala invalidé nde zaki plan na bango kute za mission na bango ba invalidé candidature Moïse Katumbi mais ta l'instance wana et trancher makambo équitablement voilà au monde combien de fois démocratie ce côté na ngona kata Congo pour constitutionnel et ça instance ozo sala musa nango na ndenge sengeli voilà awa siko ba komi ko tala ku communauté internationale parce que Katumbi wana conceval pas la face aza candidat ya étranger ya occidentaux alors objectif na bango ezali ke ba invalider candidature Moïse Katumbi voilà c'est du contraire nango zo mona Félix Antoine Tshisekedi aza na ye à l'aise ayebike et matin kita congolais nyos a ko voter parce que suite à mi salo azo sala résultat o azana ngo si le terrain zo monana yango kaka wana ndeko tina ba pona ye tala nenga zo mema kimya na kati ya este lelo oyo tozo kende déjà na ba 80% ya ko libérer mboka na biso vous pensez que ça va passer inaperçu non et à chifo monsieur le journaliste donc eloko ya ko banga ezana ngo te c'est ça message au FRDC au azalen. Message Jacques Moko, bo trahir Mokati. Bo trahir Nasoté.
malgré que monguna aza ko se réarmer butu na moyi na yebike force otozaka nango histoire otozana nango na monde entier a matière a bitumba tokolonga ye tokolonga ye donc bo trahir nation te to bozala bomoko nenge biso peuple za simana bino ba compatriotes na biso wazalendo ba far de se na biso bino nyoso bozana bomoko nenge biso pe kotoyo toza bomoko to yebike victoire ezaya biso bo se laisser faire te monguna ye bo beta ye neka na lobaka chaque jour bo beta ye s'il vous plaît ne message wana na ngina loba e ba kongomani nyoso to soutenir ba compatriotes na biso ba far de se na biso ba compatriotes na biso wazalendo c'est ça nous sommes sur 243 Kodamboka 994 28 60 67 wana za numéro na biso ya WhatsApp na mutu nyoso yo azana bonne foi ya ko soutenir musalo tozo sala c'est la chaîne Congo Live TV toujours toza prendre na koyamba ba soutien na ye ba encouragement na ye sur ce numéro là merci beaucoup merci Bernard mesdames et messieurs fait de cet entretien merci de nous avoir regardé on se retrouve demain vendredi oui, pour un nouveau numéro bye par bye. La grâce de Dieu bye bye, bye.